vraiment voir un gars à l'œuvre dans ses valeurs, de voir un gars communiquer puis oser, puis vraiment essayer de regrouper tout le monde, c'est vraiment puissant comme exemple. Fait que je suis vraiment content. Quand je me suis demandé qui ouvrait ça, il n'y avait aucune hésitation dans ma tête que c'était Jake, parce que c'est vraiment un gars qui représente super bien les valeurs d'événement, puis qu'on est à son fucking job. Premier conférencier, Jacob Hamel. Merci. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis vraiment tanné de voir des niaiseries sur Instagram puis du monde faire des affaires qui ont aucun sens pour avoir des likes. Puis c'est un peu ça, tu sais, je dis tout le temps que la mission de Quantum Training, c'est d'améliorer le monde de l'entraînement au Québec. Mais c'est une mission pas accomplie encore parce qu'il y a encore plein de trucs qu'on voit sur Internet qui devraient pas être là. Fait que aujourd'hui, on va démystifier un petit peu certains trucs que des fois on voit puis que on le voit tellement souvent qu'on pense que c'est vrai, mais si on regarde la réalité, c'est pas nécessairement ça. Okay? Comme des squats sur un ballon de même en faisant des curls. Ça, Ils disent que selon eux, 10 à 11 heures par jour de fenêtre alimentaire serait le plus simple à maintenir pour la population et serait pas obligé de les qualifier comme jeûne intermittent. Ça serait selon eux la fenêtre la plus acceptable de nutrition. Moi, personnellement, je vais recommander aux gens de faire ça sur 12 heures parce que c'est relativement facile de le compter. T'es déjà à 6, t'arrêtes de manger à 6. C'est certain que si tu es levé à 7, t'arrêtes de manger à 6, ça marche aussi. Pourquoi ces concepts-là sont problématiques? Et pourquoi est-ce que de manger en dehors ou de manger sur un désordonné peut être problématique? Bien, ça se peut que ça mélange le système à penser qu'est-ce qu'il est en train de faire. Qui a déjà suivi une diète? Une diète précise avec des heures? Bien, relativement des heures. On va faire un bref résumé. Stuart McGill est une sommité canadien en tout ce qui a de réputation de bottes d'eau et problèmes de sommité de tronc. Et puis, toutes ces recherches ont mené à, mettons, la propriété d'une planche versus un redressement assis. Et lui, ce qu'on appelle, il y a le Big Three. Fait que pour lui, pour régler un problème de tronc, de stabilité de corps ou de bottes d'eau, il va prescrire le Big Three. Le Big Three, c'est un pull-up modifié, un genre de crunch, la planche de côté et le Bird Dog. Ça, c'est un bird dog. OK? Go static. Fait que dans le fond, nous, on va prendre l'exosquelette lui prescrit. C'était un gym qui était dans le négatif, vraiment, là, comme solidement. Les fiscalistes, les comptables, ils me disaient, achète pas ça, tu vas creuser ta tombe. Puis finalement, en 3 mois, on a réussi à faire leur chiffre d'affaires complet de l'année passée. Puis les gens qui vont vous voir à répétition, plus ça va ramener du trafic vers vous. Puis après ça, comme tantôt Seb parlait, ben plus que votre clientèle cible est précise, ben vous allez amener un certain type de client qui va se faire voir à répétition. Les queues comme un. Fait oui, je vais avoir un peu de rant sur les queues, c'est pas pour insulter personne, blesser personne. Je pense que Marc ce matin a dit on rentrera pas dans les queues, moi je vais rentrer un peu dans les queues. Pas que c'est mauvais les queues, mais je pense qu'il y a un moyen un peu de. Utiliser les queues. On va légèrement agripper le sol avec les orteils. Sentir que l'arche à l'intérieur du pied s'élève un tout petit peu. Quand vous voulez plus, le livre écrit, c'est 2 ans de ma vie à faire des centaines de milliers de kilomètres pour chasser des réponses en entraînement. Jackson m'a beaucoup d'idées, c'est lui qui m'a orienté vers la recherche. Puis je me rappelle dans le podcast, Jack m'avait posé la question vraiment out of the gate, il m'avait dit toi, t'as-tu un mentor? C'est lui, il nommait, mettons, Stéphane Cazot, puis cette affaire-là. Puis, je me rappelle avoir dit dans le podcast, probablement, mais je serais jamais capable de le regarder dans les yeux et dire, t'es mon mentor. Ça serait awkward. Fait que je vais le faire devant 50 personnes. Vous êtes vraiment super familier avec les grands principes de perte de poids. Vous avez vraiment tout entendu maintenant avec les internets. C'est fabuleux toutes les informations qu'on peut avoir. C'est fou. Il y en a plein d'explications sur comment faire du poids. Moi, j'ai fait ma maîtrise sur l'oxydation des substrats, pour savoir si on veut sur quoi, du gras, du sucre. Puis j'ai fait mon doc sans perte de poids, à savoir si l'entraînement en musculation avec une restriction calorique, ça a un impact sans perte de poids puis sur la dépense énergétique. Fait que le gros de mon talent, moi, c'est quantifier combien de calories on dépense. Qu'est-ce qui influence ça? C'est ce qu'on appelle comme l'élément de la bioénergétique. C'est pas ésotérique, ça n'a rien à voir avec l'horoscope, c'est vraiment une science qui existe, c'est la science de la balance énergétique. Il y a beaucoup de choses à remercier, fait que juste un petit 2 minutes juste avant que vous en allez. Le monde voit ma face avec Momentum et pense que c'est, ben, comme en fait, il y a beaucoup de monde qui a un visage, le monde pense que c'est juste moi qui cours ça, mais il y a une quantité
vraiment impressionnante de monde derrière Apocalypse. Puis j'aimerais ça prendre le temps juste de remercier ces gens-là. Merci à tout le monde d'être venu, mais la manager de Momentum, Sophie, en arrière,